Marchand, on la connaît surtout grâce à l'émission L'amour est dans le pré. Et depuis 14 saisons maintenant, elle s'emploie avec son équipe à réunir les gentlemen farmeurs et farmeuses de la France entière. Depuis qu'elle existe, cette émission n'a cessé de rencontrer un réel succès auprès des téléspectateurs mais également des participants qui sont de plus en plus nombreux à postuler chaque année. La dernière en date a même fait naître une douce idylle entre eux des Christopher qui attendent un heureux événement pour le début de l'année prochaine. Mais la présentatrice a plus d'un tour dans son sac et crée également sa propre émission, Ambition Intime. Dans une ambiance décontractée, elle reçoit des personnalités politiques mais également des stars du petit écran et se concentre essentiellement sur leur histoire personnelle. Un joli petit succès que l'on doit en grande partie à l'empathie de Karine Le Marchand mais également à son côté décomplexé. Karine Le Marchand n'aura aucun mal à faire appel à la chirurgie esthétique. Et le côté décomplexé de Karine Le Marchand, on le retrouve lors de l'émission C'est à vous, ce vendredi 7 décembre. Invitée pour évoquer son parcours et ses futurs projets, la présentatrice se prête facilement au jeu des questions-réponses. Mais quand on cherche à savoir si elle envisage la chirurgie esthétique, on s'attend tout de même à ce qu'elle évite la question. Et bien au contraire, Karine Le Marchand répond sans complexe, « J'ai aucun problème à passer par la chirurgie esthétique s'il le faut ».